Ah, hé. Bonjour tout le monde, rebonjour à tous. Alors cette vidéo, c'est une vidéo spéciale anti-vax, hein, qui, voilà, je me suis dit un petit peu, ce soir j'aimerais faire une vidéo pour essayer de dire aussi simplement on a été créé, vous savez, pour suivre notre intuition, en fait. Hein, voilà. Suivre notre intuition, c'est qu'en fait, le message que je voulais délivrer ce soir, enfin, plutôt aujourd'hui, hein, c'est que, en fait, il faut arrêter à un moment donné, enfin, pour tous les gens qui se sont fait vacciner et tout, il faut arrêter absolument de croire que c'est à quelqu'un d'autre, hein, à votre place, de décider ce qui est bien pour vous, votre santé, votre corps, votre âme, votre esprit, votre taux vibratoire et votre conscience. Voilà. C'est pas à Macron, hein, c'est pas à Bill Gates, à l'OMS, à tous ces gens-là, là, au Bilderberg, à tous ces riches-là qui sont le nouvel ordre mondial. C'est pas à eux de contrôler votre âme et de décider ce qui doit être dans votre corps et de décider comment vous devez guérir ou vous soigner. Hein. Voilà. En fait, vous avez été créé, c'est pour être conscient de vous-même et vous remettre en question ce que eux veulent de vous. C'est pas normal, en fait, c'est tout simplement pas un état où des politiques à contrôler la vie des gens. C'est vous qui savez ce qui est bien pour vous et ce qui est bien pour vos vies, en fait. Et c'est à vous de savoir que eux, ce qu'ils ont mis en place, c'est de la dictature sous prétexte de loi et d'ordre, et ça n'a pas lieu d'être, et il faut tout renverser pour vivre en paix, en harmonie. Pas besoin d'un État, hein, pour vivre en paix, en harmonie. Hein. On peut tous très bien vivre sans politique, sans gouvernement pour vivre. On n'a pas besoin d'un gouvernement pour savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas, ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est pas à eux de décider pour nous. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire, réfléchissez quand même un petit peu à. Réfléchissez un peu à tout ce que. Là, je parle aux gens qui sont en dehors de ma chaîne, bien sûr, hein, qui ne sont pas dans ma chaîne. Tous ceux qui sont dans ma chaîne sont éveillés, ils le savent. Mais réfléchissez un petit peu à ce que eux, ils essayent de faire, en fait. Réfléchissez un peu comment ça se fait que, soi-disant, il y a un Covid qui est sorti, une première vague, une deuxième vague, une troisième vague. Un virus, il ne sort pas de nulle part en claquant les doigts comme ça. Non, 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 il faut arrêter les conneries. Hein. Sachez que les gouvernements ne sont pas là pour gérer vos santé, prendre soin de vous et faire en sorte que vous êtes dans des bons cocons. Non, non, c'est faux. C'est pas une figure parentale. Hein. Malheureusement pour le peuple, crétin, mouton, c'est une figure parentale, oui. Mais pas pour les gens éveillés, starseed et tout, hein. Ok, hein? On sait tous qu'on est des âmes, des consciences, des taux vibratoires, des esprits réincarnés dans des corps. Et on sait très bien qu'on n'est pas né de la dernière pluie. Hein? Le virus et tous les virus ont été créés en laboratoire pour tuer un quart de l'humanité. Parce que c'est leur plan. Ils ont recréé un nouveau virus pour détruire encore plus de gens, avec des nouveaux vax obligatoires qu'ils feront aussi pour pucer les gens. Et cette fois, ils kidnapperont tous ces gens pucés qui vont les transformer en transhumanisés, sans âme, des robots cyborgs qui sont esclaves, des hybrides reptiliens, Lunokhi et gris, et de la future civilisation qui vont venir, la future civilisation méchante, hein, je parle, hein, c'est des Lunokhi, qui vont venir détruire la Terre et créer leur nouvelle civilisation à eux. Et ils seront esclaves, tout cela. Donc voilà, ben réfléchissez un peu. Un virus, voilà, ça ne sort pas nulle part. On l'a créé, ils l'ont créé. Pas on, c'est généralisé. Moi, je ne suis pas parti du lot, hein, je sais pas moi. Oui, non, mais c'est pour expliquer. Hein. Et pour rire aussi, c'est de l'humour. Enfin, l'humour. Ce que je dis est vrai, c'est pas moi, heureusement. Et je suis fier que c'est pas moi. Parce que moi, je ne suis pas un connard de gouvernement. Bref, ils l'ont créé, ce virus, en laboratoire, pour tuer un quart de l'humanité. Hein. Les vax, ça a été fait en premier pour tuer plus de gens. Deuxième dose et troisième dose,
pour, vous savez, ces toutes micro-puces qui font aller dans le sang et dans le cerveau, pour plus tard, une fois qu'ils devront chasser tous les gens vaccinés et les robotiser, transhumaniser, avec des drones partout dans l'espace, ils sauront où vous allez fuir. Donc on n'a pas à se faire vacciner de force, surtout qu'on ne sait pas ce qu'ils ont mis dans ces vaccins, simplement, hein, voilà. Et on n'a pas à être en dictature, c'est liberticide tout ça, voilà. Donc c'est surtout con en fait, à quoi ça sert d'obéir à un gouvernement en fait, quand on est nous-mêmes en paix, en harmonie avec nous-mêmes. Ça sert à rien. Tu sais très bien ce que tu vas manger ce soir, non, quand tu vas cuisiner. C'est pas au gouvernement ou à Macron de te dire qu'est-ce qu'il faut que tu te cuisines ce soir. Tu sais très bien comment tu veux te torcher le cul, non? Quand tu te torches le cul. Et c'est pas à lui de te dire comment te torcher le cul, non? C'est bien ta maman qui t'a fait naître au monde. C'est pas Macron ou Brigitte Macron. C'est pas Macron ou Brigitte Macron, le transsexuel, le travelot de merde, là. Donc voilà. Hein? Ni même Brigitte Macron. Hein? L'espèce de trans, elle aussi, là. Ok? Bon, voilà. C'est pas eux. Donc, si c'est pas eux qui vous disent comment vous vous essuyez le cul, comment vous devez manger, comment vous devez pisser, comment vous devez vous laver, comment vous devez chier, comment vous devez vous essuyer le cul, eh bien, vous n'allez tout simplement pas obéir et à avaler les couleuvres mensongères du gouvernement, gouvernementeur. D'accord? Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est simple. En fait, croire à la politique, c'est être un esclave. Quand tu crois à la politique, tu crois que c'est tes sauveurs et tu crois que c'est eux qui vont gérer ta vie, qui vont te rendre heureux. Or, s'ils n'existeraient pas, tu serais encore plus merdique, encore plus esclave, parce que tu ne serais pas survivre en nature. Tout simplement. Et tu ne serais pas survivre dans une civilisation avancée où on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, tout simplement. Donc, non. Les vaccins obligatoires, tout ça, c'est non, c'est niet. C'est normal que personne ne va se faire injecter, parce que c'est un poison le vaccin. Tout simplement, hein, les vaccins de Covid et tout, première, deux, trois, quatre, et toutes les doses qui suivront avec, c'est des poisons. Les cinquièmes, quatrièmes, tous les vaccins, c'est des poisons. Faut en faire aucun. Ils ont créé ça pour tuer l'humanité, pour la détruire, la réduire à néant, et pour ensuite pucer les gens et les tracer avec les drones là et savoir où ils sont quand ils devront les transhumaniser. Voilà. Et même si le plan ce serait pas ça, on n'a aucun vaccin à faire. Parce qu'il y a de la merde dedans. Et avec le graphène qu'il y a dedans et tout, tous ces produits chimiques pour le corps qui vous détruisent l'ADN, la santé, le cœur, hein, les poumons, ok, c'est quand même très dangereux. Et il ne faut pas le faire non plus. D'accord? Voilà. Surtout quand on sait que le Covid a été créé exprès dans le laboratoire et que c'est des merdes. Il y en a qui savent que tout ça, c'est de la merde et qui se disent, mais vu qu'ils ont fait leur merde, ils ont quand même créé des vaccins pour nous sauver, pour se rattraper, donc je vais faire quand même. Ben non. S'ils ont créé un Covid volontaire, on ne va pas faire un vaccin parce qu'ils l'ont justement aussi créé volontairement. Pour tuer au départ, deuxième et troisième dose après, c'était pour pucer les gens. Alors, il faudra être con maintenant. Voilà. On a été créé pour réfléchir par nous-mêmes et pas dire oui au gouvernement, en fait. En fait, il faut que vous savez que les gouvernements et les hommes politiques, les journalistes, BFM TV, LCI, TF1, ce sont des médias mainstream et ce ne sont pas eux qui détiennent la vérité, ni même l'information et le savoir et la connaissance. Et ce n'est pas eux qui vont vous dire comment sauver votre peau. Hein? Voilà. Ça, vous devez le savoir, ça. Ce n'est pas eux qui vont vous dire comment sauver votre peau et ce n'est pas à eux de vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour sauver votre santé, en fait. Ce n'est pas à eux de vous dire ce que vous avez à faire dans votre vie, en fait, tout simplement. Hein. C'est à vous de réfléchir. C'est vous qui êtes souverain de votre âme et de votre esprit et de vous-même. Vous n'avez pas été créé pour être obéissant à un ordre établi, en fait. C'est hors de question. Sinon, c'est être esclave et pas être libre. Ça ne correspond pas à la paix, l'harmonie. Désolé, non. Un ordre établi, c'est une loi, et une loi, c'est de l'esclavage. À part, bien sûr, pour contre les crimes et tout, braquage, vol, tuerie, viol et tout, non, il faut bien qu'il y ait des lois pour ça, oui. Mais en dehors de ça, non. Payer des impôts alors que le mec, il travaille toute sa vie, eh oh. Hein? Même ne serait-ce qu'un centime.
Bon. Ouais, t'auras d'un moment pas un centime. Mais allez, même 100 euros par an, c'est con, non? Ce 100 euros, tu l'as gagné pour bouffer, pour pouvoir faire bouffer ta femme, tes gosses, ta famille. C'est pas pour les donner à l'État, aux caisses de l'État, où eux, après, hein, ils sont milliardaires comme ça, ils financent des conneries pour vous tuer des virus, pour ensuite se faire encore plus d'argent par derrière, parce que ça coûte maintenant de se faire vacciner, en plus de ça. Ils vous tuent, ils vous pucent, et ils vous arnaquent, ils vous volent en plus, pour financer leur TR3B et tout, qui vont venir avec les Anunnaki, et vous détruire, vous tuer, là. Alors, il faut arrêter, hein. Vous avez été créé pour réfléchir par vous-même et pour être souverain de vos âmes, vos esprits, vos taux vibratoires et conscience. Et vous-même, refuser la dictature et vivre libre. Et réfléchir par votre propre intelligence, votre propre intuition qui vous a été donnée dès la création de la cosmique, de la conscience cosmique universelle et l'univers. D'accord? Voilà. Maintenant, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée. C'est à vous de réfléchir à votre place. Et quand je réfléchis à votre place, ça veut dire non au vaccin, tout simplement. Et éteindre la télé, quoi. Vivre normalement comme si de rien n'était. Parce qu'en fait, quand on vit normalement comme si de rien n'était, on n'a pas de maladie. Et on ne fait pas de vaccin. Et on ne crève pas à cause d'un vaccin. Et on ne sait pas pucer. Voilà. Tout simplement. On ne vit pas en dictature quand on désobéit, en fait. En fait, si on fait une désobéissance civile, on vit normalement. Et on vit nos quotidiens sans obéir à rien, à personne. Si tout le monde désobéit, les masses entières, la France entière désobéirait, personne, aucun flic viendrait vous arrêter. On va pas arrêter toute la France. Voilà. Allez, résolu. Allez, bonne soirée. Pouce bleu, like, commentaire. Et les pro-vaccins et les pro-politiques de ma chaîne, là, si vous venez pour poser des commentaires négatifs, là, vous dégagez de suite de ma scène, parce que si je peux vous retrouver et vous niquer vos têtes avec ma hache, je le ferai. Hein. Alors cassez-vous d'ici plus vite que ça si y en a qui veulent laisser des commentaires négatifs et tout. Parce que les gens qui sont en dehors de ma chaîne, qui ne sont pas de ma chaîne, et qui sont contre moi et contre la vérité que je balance, vous, si je vous trouve un jour et que vous voulez me nuire, c'est la tête enlevée avec la hache. Hein. Allez, ciao!세도 압력도 우리를 놀래지 못하리 검찰의 용장이 계시오 애씬 든든하다 우리 빈말 안 한다 우리 빈말 안 한다 천만이 총폭탄 내리라 조국과 인민이하여 저도 압력도 우리를 놀래지 못하리